Je suis Claire Leblanc, je dirige le musée d'Ixelles depuis 2006. Euh, je suis historienne de l'art et j'ai un parcours exclusivement muséal en travaillant auparavant au musée Royaux et encore avant au musée des beaux-arts de Gand. Le musée d'Ixelles est un musée qui a été euh, créé en 1892. Euh, un musée qui apparaît dans le bouillonnement euh, culturel de la Belgique à la fin du 19e siècle et qui attire tout de suite euh, beaucoup d'attention. Donc aujourd'hui, euh, les collections sont un noyau dur de 10 000 œuvres euh, qui, euh, qui s'est constitué euh, dans, dans le temps, donc depuis 1892, et parallèlement une politique d'acquisition qui est toujours dynamique, actuelle. Il y a deux logiques d'exposition une logique dans une grande salle où il y a euh, des valeurs sûres, des, des artistes confirmés qui ont une place dans l'histoire de l'art ou qui ont une place sur la scène culturelle actuelle vraiment forte et identifiable et d'autres expositions qui sont des expositions découvertes ou expositions dossiers où on fait un focus sur un artiste qui est dans les réserves mais qui n'a pas une dimension très forte encore ou sur des jeunes artistes qu'on a envie d'aider. Pour acquérir aujourd'hui au musée d'Ixelles, il y a une commission d'achat. On fait un travail de, de débat sur les artistes que l'on... On sent important de faire rentrer aujourd'hui au musée parce qu'ils atteignent une carrière significative sur la scène culturelle belge, même internationale. Les, les, les discussions amènent des, des sélections assez naturelles et logiques par rapport à, à, à l'identité des collections. Alors l'axe c'est l'art belge. Depuis la création du musée à la fin du 19e siècle, sont rentrés des artistes belges contemporains. Donc de l'époque de du musée au 19e, sont rentrés les artistes du 19e, au 20e, la même chose. Et aujourd'hui, on poursuit cette logique de manière très naturelle ce qui donne la force de la collection et ce qui lui donne complètement son identité. Ah, l'art belge aujourd'hui, c'est une question très vaste, mais très belle, parce que je crois qu'il y a une scène très dynamique, des artistes qui sont très audacieux, qui n'ont pas peur, et ça, je crois que c'est historique à l'art belge en général qui n'ont pas peur d'aller à revers des courants, à revers des grandes modes qui viennent des grandes capitales internationales et qui trouvent leur voie et qui combinent ces grandes tendances internationales, je dirais, de, de manière très libre et plus ludique que dans d'autres pays. Le musée d'Ixelles a une carte à jouer au niveau de l'art contemporain, puisque dans sa logique, il a toujours été un musée d'art contemporain qui s'est en partie historicisé parce que le temps passe et que les collections deviennent historiques. Donc il est logique que le musée d'Ixelles poursuive cette tradition de la contemporanéité. Euh, qu'il est à proposer des expositions d'artistes actuels, qu'il est à acheter euh, des, des artistes vivants belges. On arrive à mettre l'art actuel en perspective historique par rapport à nos collections, par rapport à une tradition, par rapport à une logique de, du temps qui passe. L'art contemporain va s'historiciser et ça, c'est peut-être notre spécificité de musée qui permet de, de le distinguer des autres centres d'art. Très actuelle. La proposition que l'Atomium nous a faite de, de venir exposer, on l'a saisie vraiment comme une invitation euh, très valorisante pour euh, pour montrer notre politique d'acquisition d'art actuel. C'est pour nous une opportunité de montrer que c'est un, un musée vivant, un musée si on, on y voit euh, l'art du 19e du 20e les valeurs sûres, euh, Magritte, euh, Adéchinski, enfin voilà des des, des noms qui aujourd'hui sont des noms euh, bien sûrs et posés dans l'histoire de l'art. Bah, Malgré cela, le, le musée reste un lieu vivant, un lieu qui, euh, qui doit vivre de sa contemporanéité. Et, et donc, euh, je pense que cette invitation nous permet de montrer que, que le musée d'Ixelles est à Bruxelles, est en Belgique, et j'ose le dire de manière internationale, à sa place euh, de, sur, sur l'échiquier de l'art actuel. Belge. La sélection a été faite autour d'un axe qui, euh, qui a émergé assez naturellement autour de la forme-informe. On a euh, dans, dans la sélection euh, des pièces où on sent euh, un magma euh, vraiment vivre euh, dans l'informel, dans, dans la non-matière, dans, dans l'impalpable. On s'est fait plaisir en interne sur la sélection en, en montrant un petit peu nos, nos acquisitions récentes que, que l'on aime montrer, qu'on aime partager avec le grand public parce que ce sont des artistes. Artistes qui ont vraiment une, une, une belle œuvre à, à montrer et très accessible. Il y a de la peinture, il y a de la vidéo, il y a de la photographie. Donc on a un, un panel très ouvert de, de, de création et de créativité actuelle. Jean-Luc Moorman est un artiste comme ça très généreux qui déploie sa créativité dans mille supports et on, on a acheté cette œuvre au, moment, au bon moment où vraiment il se propulsait dans, dans cette grande énergie créative. Cindy White a un travail sur le retour de la peinture pure qui est très beau. Elle a une peinture quasi hyper réaliste. Snow White, on est entre abstraction et figuration et on trouvait que son équilibre était parfait. J'aime beaucoup ce, cette, cette image, cette photographie où on voit un baiser en radiographie pour voir une chose qui est normalement très charnelle. Et là, elle est très désincarnée, donc euh, une photo troublante. Berthe de Beul est un artiste que nous aimons beaucoup euh, au Musée d'Ixelles et je pense que c'est un amour partagé dans dans l'art actuel en Belgique, un artiste très poétique, euh, qui a un univers intimiste et à la fois universel. Il joue euh, d'une interprétation de la réalité euh, très effacée. Il va travailler sur des lieux euh, réels, mais qu'il va rendre fantomatiques pour leur donner euh, une âme, une atmosphère qui est très trouble et pour inviter à pénétrer euh, un univers peint où la matérialité de la peinture est très forte, tout en étant pourtant euh, présente sur la toile de manière très vaporeuse et douce. Edith de Kilt, euh, il s'agit d'une vidéo euh, très belle. On voit un drapeau flotter euh, pendant, pendant un laps de temps assez long, et elle arrive à nous emporter avec un, une économie de moyens assez folle vers une... Euh, une sensation absolue, universelle, partageable par tous. Il va rendre notre monde réel, objectif. Étrange. Il va nous faire basculer dans un, dans un ailleurs avec peu d'éléments. Ici, un objet usuel, des assiettes en céramique quelconques sont cassées. C'est un matériau assez dur, assez quelconque. Et il lui donne à ce matériau une magie assez extraordinaire en l'élevant, en, en, en mettant ce matériau en lévitation et, et en, en offrant, là encore, une réalité autre que, que celle que nous vivons au quotidien. C'est une artiste qui va à l'essentiel, là aussi en économie de moyens, en, en peu d'éléments, elle arrive à asseoir un univers très, très fort. Ce disque est une ponctuation dans l'espace, on a un moment de pureté. Stéphane Balleu est un jeune artiste, il a 40 ans, 41 ans, un artiste important je crois qui va marquer euh, l'histoire de l'art belge, un artiste qui aime la peinture, interroger la pratique du peintre, replacer euh, l'acte du peintre euh, dans, dans, son, dans ce qu'il a de plus fondamental. Gelguaris produit une œuvre photographique très intéressante en ce qu'il reprend les fondements de la photographie, faire une photographie documentaire, mais il va chercher des sujets qui, qui sèment le trouble. S il photographie le monde tel qu'il se présente de manière très directe, il va choisir des sujets qui amènent une ambiguïté sur, sur cette réalité palpable.